donc Michel Slama maintenant. Bonjour, eh ben moi je vais vous montrer un cas qui n'a pas grand chose à voir avec. Clairement c'est pas une amyloïdose cutanée chez cette patiente, puisque en fait c'est un psoriasis. Vous voyez qu'on s'éloigne un petit peu. Voilà, donc c'est une femme de 55 ans au moment où on la voit, qui pèse 49 kg pour 1m65, qui a pas d'hypertension, aucun facteur de risque cardiovasculaire. Après, a posteriori, elle nous a dit qu'il y avait probablement une histoire de cardiopathie hypertrophique dans sa famille. Et puis surtout, elle a ce psoriasis avec un rhumatisme psoriasique et elle est traitée depuis des années au méthotrexate. Toujours dans ses antécédents, il y a un syndrome du canal carpien pour lequel elle a été opérée en 2008. Donc là, on la voit, on est en 2014, au moment de ce cas clinique. Et donc, 6 ans auparavant, elle a été opérée d'un syndrome du canal carpien. Et donc, en 2014, elle nous est adressée par les collègues qui s'occupent d'elle pour son psoriasis et son rhumatisme psoriasique, parce qu'elle se plaint d'une dyspnée d'effort, elle est classe 2 NYHA. Elle a un examen normal, à part un bruit de galop. Elle a un NT-proBNP qui est normal. Elle a une troponine qui est négative. Et, quels examens demandez-vous? Facile. Je suis d'accord avec vous, on demande un électro pour commencer. Et voilà son électro, et son électro, comme vous voyez, montre un microvoltage, un vrai, isolé. Donc voilà, donc quel autre examen demandez-vous? Je vais passer la parole à... Alors bonjour, donc on lui a donc réalisé une échocardiographie que vous voyez là. On va peut-être se faire passer la boucle numéro 2 aussi. Un peu comme le cas précédent, le diagnostic déjà visuel est très évocateur d'une cardiopathie amyloïde. On a l'aspect infiltré granité, donc je reviens aussi sur l'imagerie harmonique, on nous dit que ça brille partout maintenant, mais l'infiltration quand même n'est pas la même que l'imagerie harmonique qu'on décrit brillante. Je trouve qu'il y a une vraie infiltration, non seulement du myocarde, mais on voit les valves également. Le septum interatrial qui épaissit, ça c'est quand même assez typique d'une cardiopathie amyloïde. Le VD infiltré, c'est assez pathognomonique. On a rarement des ventricules droits infiltrés à l'échographie en dehors de ces cardiopathies-là. Et puis, évidemment, le strain assez typique en cocarde. L'épaisseur septale avait été mesurée à 16 mm chez cette patiente. La fraction d'éjection, alors 50% pour une amylose cardiaque, c'est déjà un peu altéré. C'est-à-dire que normalement, dans les cardiopathies amyloïdes, la fonction ventriculaire gauche est vraiment préservée. Le strain est très abaissé. C'est cette discordance entre cette fonction ventriculaire gauche préservée, ce strain altéré qui nous oriente vers une cardiopathie infiltrative. Là, c'était vraiment extrêmement typique avec l'aspect en cocarde. Et on voit également le strain apical un peu altéré. C'est-à-dire qu'il commence déjà à être altéré, il n'est pas préservé, voire supranormal, comme on peut le voir dans les cardiopathies plutôt séniles. Alors, donc, quel diagnostic évoquez-vous? A priori, pas faire d'orientation. Donc, l'orientation vers quel type, vers une amylose, quel type d'amylose peut être évoqué? Donc, je reviens un peu sur l'électrocardiogramme. Quand on voit une cardiopathie hypertrophique, on a vu que la discordance entre le fait d'avoir un microvoltage et une cardiopathie hypertrophique, il y a beaucoup de papiers qui ont été publiés pour montrer que c'est en faveur d'une cardiopathie infiltrative. Dans les diagnostics différentiels, donc cette patiente ne présentait pas d'hypertension, voire était plutôt hypotendue. On peut toujours se poser la question d'une cardiopathie hypertrophique familiale, sarcomérique, mais bon, peu évocateur chez cette patiente du fait du strain. Une maladie de Fabry, on verra qu'il y a des éléments importants qui peuvent être intéressants. Et donc surtout le microvoltage et les pseudomes cutes décroses qui sont décrites, mais qui ne sont pas forcément présentes chez tous les patients. Comme le microvoltage, il y a 30% des patients qui n'ont pas de microvoltage dans les amyloses à transthyrétine. Donc ce n'est pas forcément un diagnostic... certains.
Alors, je reviens rapidement sur qu'est-ce qui nous apporte l'échographie pour le diagnostic de cardiopathie amyloïde. Donc, l'hypertrophie, enfin l'infiltration septale, parce que ce n'est pas vraiment une hypertrophie, avec un critère de 12 mm. Alors, nous, on se pose la question, alors 12 mm, alors déjà mesuré, enfin, pas pour les échographistes là, la bandelette modératrice un peu hypertrophiée, on n'arrive pas à bien mesurer, on mesure, alors moi, je mesure en 4 caves, en 2 caves, en petit axe, j'essaye de tout corréler parce que ce n'est pas forcément évident. Alors, le 12 mm, des fois, on est à 11, des fois, on est à 10, alors on dit... Peut-être c'est une forme débutante, précoce. Donc ce critère, bon, c'est difficile. Voilà, on a parlé de l'aspect brillant. Je reviens sur ce qui a déjà été dit ce matin. La cardiopathie hypertrophie concentrique, bah, c'est ce qui est dans les papiers. Mais ce qu'on voit, enfin nous, habituellement, c'est plutôt des cardiopathies excentriques qui ont donc une fraction d'éjection préservée. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Erwan sur les flux mitraux. Voilà, la cardiopathie amyloïde donne des flux mitraux restrictifs, mais vraiment, c'est vraiment au stade tardif, hein, au stade précoce, même modéré chez cette patiente-là. On n'avait pas de cardiopathie, enfin, on n'avait pas de flux restrictif mitral. Moi, ce qui m'oriente vraiment, c'est plutôt l'infiltration valvulaire. Enfin, il y a des patients qui n'ont pas d'hypertrophie septale, qui sont à 10, 11, 12 mm. On dit qu'ils n'ont pas de critère d'amylose, mais les valves sont épaissies, le septum est épaissi, interatrial, je parle, très infiltré. Et ces pathologies infiltratives peuvent être également des critères diagnostiques. Et bien sûr, bien évidemment, l'élément important, c'est le strain apical. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit déjà ce matin, mais on voyait sur le papier de Félan les différentes cardiomyopathies. Alors, quand on a des cardiopathies sarcomériques avec un strain plutôt altéré sur les segments hypertrophiés, pour les sténoses aortiques, plutôt un aspect patchy du strain. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que le relative apical strain supérieur à 1 positif, bah, ça va sur des cardiopathies très, 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 très évoluées. Mais franchement, moi, j'en vois pas énormément. Ils ont un aspect de préservation du strain apical, mais ce critère me semble pas très sensible pour le diagnostic de cardiopathie amyloïde. Donc c'est intéressant parce que c'est un paramètre qui est facile à faire, qui est reproductible, que tout le monde peut faire, et qui permet vraiment d'aider à différencier les différents types de cardiomyopathie hypertrophique. Donc, comme ça a été dit, c'est un aide de diagnostic, mais une aide de pronostic sur le papier publié par Julien Ternacle en 2016 sur le strain apical. Donc, on voit que cette patiente avait déjà un strain apical abaissé, donc avec un facteur pronostic qui est quand même péjoratif. Alors, donc, on s'oriente vers une cardiopathie amyloïde. Alors, quel type de cardiopathie amyloïde et vers quels examens vous allez vous orienter chez cette patiente? Dans quel ordre? Comment? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'on fait tout? Est-ce qu'on fait certains? Ah, si j'ai besoin d'interaction, du coup. Un holter? Ouais. Alors, je crois qu'il n'y avait rien de... Elle avait des extrasystèmes auriculaires. Pas grand-chose de... Elle s'accélérait normalement. Elle avait... Oui. C'est vrai que l'ordre est sur un pré-test, on est sur une théorie a priori. Oui, exactement. On peut être large sur le diagnostic de la cible de l'hypertrophie particulièrement. On peut évoquer un Fabry aussi, j'étais pas. Ah ouais. Donc je crois qu'il faut être assez large. Donc moi je mets la triglycéridase, la ferritine, le diagnostic de maladie de surcharge, l'IRM pour la sarcomérité éventuellement. Et après on voit un petit peu. Je trouve que là, ce qui est vraiment bien entre le premier diagnostic de Diane et le tien, c'est qu'on a une même hypertrophie. Pas un même phénotype échographique, il y en a un, on sent que c'est galopant, et l'autre, ça ne va pas très vite. Alors, parce qu'elle garde encore une contractilité intrinsèque satisfaisante, et après, peut-être qu'on verra si peut-être une pompe, mais ça ne retourne pas une aile. Et du coup, vous irez sur la recherche maladie de Fabry, enfin, est-ce que les examens morphologiques échographiques vous orientent déjà plus vers une pathologie et un électrocardiogramme, parce que la maladie de Fabry, la cardiopathie sarcomérique, tout ça, enfin, c'est... C'est pas tellement ce genre d'image et ce genre d'électro, quoi. Oui. Mais on peut le voir aussi également dans les amyloses transthyrétines, moins fréquemment, c'est vrai, mais on le voit aussi dans les... Après, l'histoire du cavé carpien très ancien, ma pape aurait... Voilà. Après, on sait pas, elle était portugaise... Elle n'est pas caucasienne, elle est caucasienne. Elle n'est pas portugaise. Elle n'est pas portugaise. Du coup, j'ai fait le... Alors en fait,
En fait, elle nous a gentiment donné le diagnostic parce qu'elle est revenue quelques temps après avec des examens qu'on lui avait fait avant. Et donc, nous, on avait un délai de zéro pour avoir la scintigraphie osseuse puisqu'elle avait été faite 6 ans avant la scintigraphie osseuse. Elle était au fond d'un dossier, personne n'avait regardé. Tout ça, ça s'est passé pas dans notre centre. Hein. C'était scintigraphie osseuse faite 2008, 6 ans auparavant, vue par personne, avec un Perugini stade 2. Donc là, voilà, c'était beaucoup plus facile tout de suite. Et effectivement, l'ambiance n'était pas du tout à une amylose à elle, je suis bien d'accord avec toi. Avec une fixation comme ça en scintille, ça colle pas tellement avec une AL. Microvoltage, nous, dans notre série, on a 45% de microvoltage sur les amyloses à la transthyrétine. Donc on n'est pas surpris de voir un microvoltage. A priori, elle a pas l'âge d'avoir une amylose sénile. C'est pas un contexte d'AF, donc c'était plutôt une amylose TTR. Voilà, donc en fait, quand on regarde bien aussi, la fréquence des scintilles positives de manière inexpliquée, ça les Italiens ont regardé ça, c'est un papier qui était intéressant, c'est 12 000 scintigraphies, ils ont exclu les patients chez qui il y avait une suspicion a priori d'amylose, et ils ont regardé donc les patients qui avaient eu une scintille pour des motifs soit cancérologiques, soit rhumatologiques, et donc en fait sur 12 000 scintilles, ils ont trouvé 45 positifs inattendus, ce qui représente 0,36%. Et lorsqu'on regarde les patients de plus de 80 ans, en gros, ils arrivent à 1,4% de positifs, tout compris, qui correspondraient. Donc la fréquence théorique des amyloses séniles dépistées comme ça, fortuitement, ce serait 1,4% de la population générale. Voilà. Donc c'est pour donner une petite idée, c'est-à-dire que cette patiente, elle correspond à 1,4% de la population générale. Elle n'est même pas sur la photo, vous voyez. C'est... Voilà, alors ça c'est un petit rappel du papier de Rapezzi sur lequel je vais passer. Simplement pour insister sur l'intérêt de la quantification, il y a eu plusieurs modes de quantification. On a vu tout à l'heure ce qui est utilisé à Mondor. Moi je travaille depuis longtemps avec l'équipe de Bichat. Ils utilisent un autre score. Je crois que y a pas de bagarre entre les scores. Par contre, je pense que c'est important d'essayer de quantifier et de dépasser juste le score visuel de Perugini. Parce que peut-être que ça pourra être ultérieurement, peut-être, un critère. Quantifier pour suivre l'effet des médicaments. Et ça, c'est pour montrer les résultats qu'on avait eus selon les traceurs dans 75, ça c'est un papier, on avait 75 scintilles et on avait fait indifféremment du DPD ou de l'HMDP. Le DPD est en rouge, les HMDP, c'est les points blancs. Et on voit que globalement, on a une meilleure statistique de comptage, c'est-à-dire qu'une fois que c'est positif, ça décolle plus franchement avec le DPD et l'HMDP. On a un rapport cœur sur poumon qui est plus franc avec le DPD qu'avec l'HMDP. L'autre chose qui est intéressante, c'est de voir qu'on peut avoir une fixation tout à fait franche chez des patients qui n'ont pas 12 mm d'épaisseur. Et donc, c'est pour reprendre ce que disait Ludivine tout à l'heure, le cut-off théorique à 12, ben, c'est bien, enfin, c'est pour avoir un chiffre, hein, mais il n'y a pas de zone grise si on est à 12. Hein. Or, ce n'est pas vrai. Dans la vraie médecine, ce n'est pas comme ça. On a des positifs francs à moins de 12 mm en scintille, on a aussi des positifs francs en IRM à moins de 12 mm, donc il faut rester attentif à l'ensemble. On n'est pas les seuls à avoir trouvé ça, il y a une autre équipe qui avait aussi publié un petit groupe mais de patients avec des positifs sur des épaisseurs inférieures à 12. De manière intéressante, dans cette étude-là, c'était essentiellement des mutations non MET30. On a la même chose, et en fait, quand on lit bien les papiers des Italiens, ils en ont aussi. Donc voilà, donc le cut-off à 12, il faut le prendre avec des pincettes. Et puis on l'a fait une IRM, là, je te repasse. Donc du coup... Ouais. J'avais noté, moi, que le DPD ne marchait pas. Non, non, non.
Je crois qu'il y a un malentendu là-dessus. Le DPD marche très bien. Rapedi, dans son papier de 2015, écrit d'ailleurs que, dans son expérience, le DPD marche beaucoup mieux que la HMDP. Et c'est pour ça. Il y a... Non. Les trois marchent. Le pyrophosphate, DPD, HMDP, c'est le MDP qui a encore un quatrième et qui, en fait, n'est utilisé par personne dans cette indication-là. Du coup, elle a bénéficié d'une IRM cardiaque. Les images sont juste au-dessous. Donc, des séquences morphologiques. Donc, on a remarqué qu'elle avait confirmé cette hypertrophie septale. Alors, on voit que la mesure, normalement, l'écho, l'IRM, c'est censé être concordant, mais on ne mesure pas exactement la même chose. La bandelette, il la voit moins bien en IRM. Donc, on peut avoir des discordances de mesure en IRM. L'infiltration du VD est quand même assez visible en IRM, donc c'est assez intéressant sur le plan morphologique. Ce sont les séquences après injection de produits de contraste de gadolinium. Donc on voit ce qu'on voit nous, surtout, donc plutôt ce qui a été dit ce matin, hein, des atteintes plutôt transmurales, quand on a des atteintes évoluées, les sous-endocardes. Hein, c'est vrai que nous aussi on fait les séquences, on fait plutôt à 8 minutes. On essaie de le faire plus précocement, mais vu qu'on doit intercaler des cinés, des fonctions cinées entre pour raccourcir le temps d'examen, ça reste compliqué. Mais on voit cette infiltration diffuse du myocarde qui peut être également visualisée au niveau des oreillettes et du ventricule droit. L'autre paramètre qui peut être intéressant, il y a eu pas mal de papiers publiés justement avec le T1 et les séquences de PSIR, parce que ce sont des séquences qui sont indépendantes du T1 qu'on a du mal à identifier chez les patients qui ont une cardiopathie amyloïde, parce qu'ils ont un T1 qui est inversé, ce qui fait qu'on a du mal à différencier le sang du myocarde. Et donc ces séquences indépendantes du temps d'inversion peuvent être intéressantes chez ces patients. En plus, les durées d'acquisition sont plus courtes, donc chez les patients qui ont du mal à tenir les apnées, ça peut être quelque chose d'utile. Je reviens sur ce qui a encore été dit ce matin, mais c'est ce qu'on voit. La prise de contraste sous-endocardique transmurale, c'est le truc typique, c'est ce qui est décrit, c'est pathognomonique, mais nous, ce qu'on voit, alors on a beaucoup d'atteintes précoces et de dépistage chez des patients qui ont des neuropathies amyloïdes, c'est des atteintes plutôt linéaires, en motte, patchy, donc on peut voir de tout. Ça a été publié récemment aussi. Les patterns typiques, c'est vraiment dans les cardiopathies amyloïdes évoluées. Et donc je reviens sur le T1 mapping, qui est la séquence à la mode, la séquence qui va dépister toute la fibrose myocardique de toutes les myopathies qui existent. Alors c'est une séquence qui est intéressante, ça a été utilisé, alors il y a des papiers en 2014, puis un papier récemment en 2018 sur le T1 mapping, sur l'intérêt du T1 mapping. L'intérêt, moi, qui me semble le plus facile à utiliser, c'est pour la maladie de Fabry, hein, puisque les patients qui ont un T1, un temps de relaxation du myocarde qui est bas alors qu'ils ont une cardiopathie hypertrophique, est évocateur d'une maladie de Fabry. Les T1 sont plus élevés dans les cardiomyopathies hypertrophiques et beaucoup plus élevés dans les amyloses, plutôt AL qu'à transthyrétine. Donc ça, c'est ce qui a été décrit. C'était concordant avec la fixation en DPD, donc l'infiltration myocardique peut se faire par et l'IRM et la scintigraphie. Et ce qu'on nous vend un petit peu, c'est le T1 mapping comme examen pour les formes précoces, parce que le T1 serait précocement élevé avant la mise en évidence des prises de contraste visualisées sur les séquences post-injection de rehaussement tardif. Donc ce sont des séquences qui sont intéressantes, on est en train de les étudier chez nous. Là, ce qui a été publié récemment, c'est que le cut-off, alors ils sortent des cut-off, mais ce n'est pas les mêmes machines, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes constructeurs, on n'utilise pas les mêmes matériels. Le sexe, c'est un élément qui varie le T1, donc il y a vraiment beaucoup de paramètres indépendants qui varient le T1 de manière hétérogène. Donc ça semble intéressant dans des centres qui ont l'habitude, parce qu'on a chacun nos T1 de référence, donc pour une population on peut aider au diagnostic, mais en tout venant, sans standardisation, je pense que c'est pas encore l'examen qu'on peut utiliser en première attention. Voilà, ça c'est à vous, je crois. Voilà, donc on a essayé d'avancer, on a quand même fait une biopsie des glandes salivaires accessoires qui était positive, on a eu une preuve histologique, on lui a fait un test génétique qui a montré une mutation rare
du gène de la transthyrétine. Alors c'est une mutation qui a été publiée, mais qui franchement, on en a vu deux comme ça. Donc voilà, on lui a fait quand même une exploration électrophysiologique, parce qu'à l'époque on faisait ça de manière extrêmement large chez tous les patients qui n'avaient pas un électro strictement normal. L'explo était négatif, ce qui fait qu'on ne l'a pas implanté. Et enfin on lui a fait une scintille à la MIBG, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille depuis longtemps. Et elle avait une scintille à la MIBG qui était juste à la limite, un rapport de fixation à la quatrième heure qui était à 1.6. Nous, ce qu'on a publié, et ce qui avait été publié également par Coutinho, c'était un cut-off à 1.4. C'était une grande valeur pronostique. Vous avez ici les courbes de survie en fonction de la MIBG chez des patients qui ont eu une transplantation hépatique dans cette étude. Et donc, ça correspondait à un élément de très bon pronostic chez cette patiente. Voilà, donc si on résume, on s'est retrouvé devant une patiente symptomatique avec une présentation de cardiopathie hypertrophique, avec néanmoins une écho qui était très évocatrice, une scintille qu'elle nous a servi sur un plateau qui était positive, une IRM positive, un test génétique positif. Et donc on a mis cette patiente dans une étude prospective dans laquelle elle est toujours. Je ne vous dis pas laquelle. Voilà. Sur les caractères symptomatiques de cette dame, oui. Avec un démarqueur normal. Oui. Alors, elle s'est plainte, et j'avais la même question, évidemment. Et en plus, elle avait un test de marche qui était quasiment normal et qui l'est resté. Sauf que le dosage de BNP de la semaine dernière a explosé. Et voilà. Et donc, je suis comme toi, j'ai été, et on a d'ailleurs, cette patiente, quand on l'a incluse dans l'étude, il y a eu une discussion avec le board pour savoir si on la prenait ou si on la prenait pas, et elle a été prise sur le fait que, d'abord, on n'est pas allé la chercher, elle est quand même venue, bon, très bien, hein, elle a été cliniquement classée NYHA2 avant qu'on ait les résultats du bilan biologique. Et par ailleurs, la morphologie, la scintille très positive, tu vois, c'est... Voilà, quoi. Mais on est d'accord, on est dans les limites de notre métier, là. Juste, moi, je pose une question vraiment aux trois experts. Donc, elle serait arrivée à Rouen, cette patiente-là. Je vous donne un peu sa feuille de route. Elle serait arrivée le 1er mai, par exemple, peu importe. Je fais l'écho, je tombe sur une cardiopathie hypertrophique. Je lui dis, madame, vous avez une cardiopathie hypertrophique. Je vous fais une prise de sang à la fin de l'échographie cardiaque et un électrocardiogramme, prise de sang qui comporte effectivement l'immunoélectrophorèse, l'électrophorèse, le BNP, l'enzyme de conversion pour une éventuelle sarcoïdose, etc. Consentement pour le test génétique du Fabry. Vous avez bien compris que nous c'était 3 semaines pour la scintille osseuse, donc elle a la scintille osseuse 3 semaines plus tard, et le 1er juin restitution. Est-ce que ça vous... Donc j'ai la confirmation que c'est une TTR. Est-ce que ça vous choque de ne pas faire d'IRM, de ne pas faire de biopsie et de la mettre d'emblée dans le circuit de la génétique et d'une prise en charge spécifique ? Pas du tout. Je suis un peu en marge de l'organigramme qui nous est recommandé. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'une scintille osseuse comme ça, c'est une biopsie. D'accord. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est une biopsie scintigraphique. Voilà. C'est parce que des faux positifs, entre guillemets... on n'en voit pas. Enfin, il n'y a pas d'autres maladies qui donnent une fixation aussi intense du DPD. On va être obligé de tourner, mais moi je reviens sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter à la scintille, c'est terminé. Quoi. Ouais, ouais, le diagnostic est posé. Ouais, ouais. On est d'accord. Ouais. Après, on peut avoir la mutation. La mutation est d'autant plus importante pour la famille. Okay. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Elle a des enfants et j'ai vu ses enfants, j'ai vu sa sœur. Après, ça c'est certain. Hein. On a fait. Une autre histoire. Ok, merci beaucoup.